name will be legendary even in hell. Even in hell. C'est dire. C'est dire. Even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Merci Pinhead. Merci Pinhead, toujours aussi bienveillant, ce cher Pinhead. J'ai passé ma journée, je vais pas vous expliquer tout, mais j'ai passé une partie de ma journée à essayer de trouver cette version de Silent Hill 3 en HD. En fait, nous sommes sur la New Edition et elle est très très difficile à trouver sur internet. Seuls les Russes la possèdent. Alors moi j'ai la version PS2, mais bon, c'est quand même plus agréable d'y jouer en HD. Donc j'ai finalement trouvé quelque chose, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le temps de retourner là où nous en étions. Donc on va continuer un petit peu sur la version russe pour ce soir. On va charger. Hop. C'est une version. Alors c'est la nouvelle édition. Je la trouvais très très jolie et pour cause. Et pour cause que je la trouvais très jolie, c'est que c'est une new edition, donc elle bénéficie du traitement HD. Je trouvais que vraiment il y avait un grand écart avec la version PS2, mais oui, et pour cause. Et pour cause, c'est une édition HD. Alors elle est très 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 belle. Le problème, c'est que pour la trouver en version anglaise ou même tout simplement l'acheter, bah, c'est quasiment infaisable. Donc il faut passer par des voies où seul Tati Daniel connaît. Donc là, pour l'instant, on va continuer sur cette version russe. Et dès demain, je pense que j'aurai la même en version anglaise. Le problème de la version russe, c'est que nous avons des soucis avec tout ce qui est panneaux, indications. Dès qu'on veut... J'imagine que dès qu'on va avoir la clé du directeur de l'usine ou de je sais pas quoi, on va vouloir se rendre dans son bureau. Bon, ça va être écrit en russe. Voilà, bon, c'est le problème. Tout le jeu est en français, sinon. Enfin, les inscriptions. Mais bon. Je vais régler ce souci... Donc nous en étions ici, on va monter les petits escaliers. Donc là on se retrouve au troisième étage. Hein. Je vérifie ma petite map, hein. Vous savez comment ça se passe. Hein. Ça check la map. Hein. Dis donc, j'ai beaucoup de lumière sur la tronche. Et voilà. C'est ça, hein, être professionnel. C'est de se rendre compte et réagir. Donc là on en est là. L'idée c'est pas de se faire avoir dès qu'on arrive. Voilà, alors on va courir. On va aller à gauche directement. Je sais pas pourquoi je le sens bien à gauche. Alors si j'ai eu raison. On retourne dans cette petite salle que je reconnais. Hein. Par contre, il y a un truc que j'ai vu dans les options, c'est que j'ai pu mettre, comme dans la NNC édition de Silent Hill 2, j'ai pu mettre les contrôles en 2D. Et du coup, le personnage est bien plus maniable, comme vous pouvez le voir. Bon, là, on était aux toilettes, mais a priori, ça n'a servi à rien. J'ai mis le jeu un petit peu plus clair pour vous. Je me suis rendu compte en regardant la VOD que ça devait être plus sympathique. Pas plus sympathique, mais que vous allez mieux y voir. Voilà, tout simplement. On va tenter d'aller là, mais j'y crois pas beaucoup. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut jouer avec la caméra, enfin, quand on y arrive. Ok. Oui, le rendu là, je vois sur le retour, est magnifique. Là, j'ai mis la luminosité un tout petit peu plus forte. Là, vraiment, en fait, j'ai passé ma journée à télécharger des versions. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Qu'est-ce que c'est? Du chien grillé? Qui pourrait bien faire un truc comme ça? Et surtout, qui pourrait bien vouloir en manger? Il y a quelque chose dans l'estomac du chien. J'ai une clé cuite. Bon, voilà, typiquement. Le genre d'énigme qui va ne pas nous faciliter la vie avec la version russe. Donc je disais, oui, j'ai passé la journée à télécharger beaucoup de versions de Silent Hill. Mais c'est les versions PlayStation 2, donc là on voit vraiment la différence. Hein. J'ai essayé de mettre des pads, j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé. Pour la NNC édition, j'ai réussi à tout bien faire, tout bien mettre, les sons, tout. Et puis là, je sais pas, ça ne veut pas, ou alors le format n'est pas le bon, ou ça dimensionne mal, j'ai un problème avec les couleurs, enfin, il y a toujours eu un problème. Donc pour l'instant, nous restons sur la version russe. Tant que j'aurai pas quelque chose de satisfaisant, j'en resterai sur cette version qui est, là encore une fois, là, je regarde votre retour, en mettant un peu plus de luminosité, c'est très joli. On va examiner, c'est quoi? Non, ça c'est la clé de ma maison, rien à voir. Alors c'est vrai qu'on a trouvé une noix, hein. Il y a quelque chose dedans, mais je n'arrive pas à l'ouvrir à la main. Ah ah! On a bien fait de regarder.
Une clé cuite. Cette clé était dans le chien grillé du restaurant. Poids. Petite clé cuite. Là, on est passé derrière. On va ouvrir. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir. Ok. Donc là, je vous ai raconté un peu ma vie. Non, très difficile à trouver une version HD qui tient la route. Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de topics à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. A priori, il y aurait une version qui s'appelle Silent Hill Deviance. Et ça serait le mieux, hein. Donc on est là, on va essayer de sortir et d'aller à droite. Évidemment, la caméra nous met dans le sens opposé pour qu'on spawn. Salut Léa. Oh là là, regardez-moi cette porte, c'est verrouillé. Une porte, un croissant rouge et une bosse ronde. Il y a quelque chose. Oh putain, ça ne met pas pause, hein. Et relève-toi. Je le tuerais bien, lui. Merde, 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 ça recharge. Évidemment, c'est beaucoup plus simple. C'est bon. On l'a eu. Salut Léa. Alors, je racontais un petit peu ma vie. J'expliquais que j'ai essayé de trouver une version anglaise. La porte porte un croissant rouge et une bosse ronde. Il y a quelque chose d'écrit dans le même rouge. Après le 300e passage de la lune et du soleil, des cris de douleur passent sous la porte. Et la destination finale s'est concrétisée malgré des débuts difficiles. Ok. Oui, donc je l'ai, j'expliquais que j'ai essayé. La version dans laquelle nous jouons, il y a une raison à cela. Pourquoi elle est si jolie? Il y a une raison à cela, c'est que c'est la New Edition. Et c'est une version russe et sur internet, principalement, c'est la russe que nous trouvons comme ça en HD. Moi, j'ai passé la journée à télécharger des versions. À chaque fois, c'est la version PlayStation 2. Alors, certes, elles sont en français, mais alors la différence au niveau du graphisme, on la voit quoi, vraiment. Donc, je suis sur une piste là pour avoir en anglais, hein. Mais j'ai pas réussi aujourd'hui encore. J'ai mis des patchs, j'ai essayé plein de choses, mais j'ai pas réussi à avoir quelque chose de concluant. N'hésite pas à me dire, Léa, s'ils sont trop forts. On est retourné là où nous étions? Non, j'y crois pas. Oui? Oui, complètement. On est retourné là où nous étions. Donc on va retourner à la porte. Heureusement qu'il sait lire le russe. La blondine. Perso, le son est top, c'est parfait. Bah oui, et puis j'ai changé aussi les contrôles. Donc maintenant je suis en. C'est beaucoup mieux. Enfin, pour moi c'est beaucoup plus facile. Donc là, bah on va utiliser la clé là. Tu veux pas? Bah c'est la clé de la maison en même temps. Hein. Tu veux pas? On va se remettre de la vie, hein. J'étais en train d'hésiter, est-ce que je prends ça tout de suite ou pas? Combien il me reste de balles? J'en ai 30. Donc là, il souhaite que nous ouvrions cette porte. C'est verrouillé, un croissant rouge et une bosse ronde. Il y a quelque chose d'écrit dans le même rouge. Après le 300e passage de la lune et du soleil, des cris de douleur passent sous la porte. Et la destination finale s'est concrétisée malgré des débuts difficiles. Putain, mais on va déjà être bloqué? Mais c'est fou, hein. J'ai pas souvenir avec ce jeu que les choses. Ah, on peut combiner. J'ai regardé la VOD là d'hier, mais dis donc, on était bloqué toutes les 2 secondes. Bon, il y a des fois c'était ma faute. Hein, je bats ma coupe. Et d'autres fois, ça, on peut pas le. On a une noix, tu vois, Léa. Il y a quelque chose dedans, mais je n'arrive pas à l'ouvrir à la main. Bravo. C'est pas pété de noix avec ses deux pognes. On pourrait le combiner, mais on n'a rien. Le truc, c'est que on a ouvert hier le. En fait, j'ai rien fait de spécial, hein, avant que t'arrives. Je me suis juste monté. Et j'ai trouvé une. Ah oui, c'est vrai qu'on a trouvé une clé. On a trouvé une clé juste là dans la pièce à gauche. Cuite. Mais par contre, il ne dit pas. Il ne dit pas
Ce qu'elle pourrait ouvrir. On a trouvé ça dans un chien. Une clé cuite. Ces clés étaient dans le chien grillé du restaurant. Donc j'imagine qu'il faut que je. On n'a plus la pince d'hier pour ouvrir cette noix. Non. Non, on l'a plus. T'as vu, j'ai mis le jeu un tout petit peu plus clair. Je pense que pour vous, ça va être un petit peu plus agréable. Là, c'est par où nous sommes. Ah bah attendez. Là, c'est par où nous sommes arrivés hier. On est d'accord. Qu'est-ce que ça fait si je descends manuellement par les escalators de l'enfer? Il va rien avoir. Ça va être comme sur mon truc. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est un petit peu comme ça. Sauf qu'il n'y a pas d'échelle. Ok, non, c'était simple vérification. Bon, on a une clé. Bon, cette clé va nous permettre d'ouvrir quelque chose en bas. Imagine. Non, malheureusement, on n'a plus la pince d'hier. On aurait pu ouvrir là. Alors, je sais plus pourquoi hier, j'avais bloqué si longtemps. Parce que tout simplement, sur le plan, il n'y avait pas cette petite. On pouvait pas deviner qu'on pouvait passer. Bon, alors, qu'est-ce qui est ouvrable? On va essayer de jouer bien. Là, il n'y a absolument rien d'ouvrable avec une clé. On est d'accord? Au deuxième, bah c'est là d'où on vient. Ah. Ici. Il y a une porte. Il y en a même plusieurs. Là, on est au troisième. Là, c'est le deuxième. Pourquoi j'ai pas pu aller là? Où je me trouve, moi? Moi, je suis ici. Attendez, je comprends plus. Bon, là, on peut rien faire. Donc, je remonte. Vais merdouiller encore. Merdouiller. Dire les choses. Bah dis donc, elle prend son temps, la petite. Alors, elle s'appelle pas du tout Ashley. Je l'ai appelée Ashley parce que c'est à cause de Resident Evil 4. Elle s'appelle Heather. N'importe quoi. Pas Ashley. Pourquoi je l'ai appelée Ashley? Ça, oui, c'est à cause de Resident Evil 4. Oui, mais voilà. Il me dit qu'on peut aller par là, mais pas du tout. Pas du tout. Ok. Donc, on rentre et on passe par là. Ok. Y arriver. Donc là, c'est la salle où elle regrettait de ne pas avoir pris la bague. Chipigalé. Là, on se retrouve dans le monde maudit. Je vais regarder ma petite carte. Ça serait la prochaine à gauche ou alors à droite. Ok. Allez. Sans regarder. Hein. Je vais vous reposer, j'aimerais pas ouvrir la porte. Ah, j'ai utilisé la clé cuite. Oh là là, ça y est, on avance. Bon, de la vie. De la vie, ça c'est typiquement ce que les joueurs disent. Mais ok, c'est une boisson revigorante, mais tout le monde dit là, il y a de la vie. Ah, là, on a un petit tuyau. J'ai un tuyau en acier. Bah, ça, je suis très content. Parce que à chaque fois, j'utilise des balles. On va prendre ça. Voilà, pour les chiens, ça va être très très bien. Donc dès demain, je pense qu'on pourra y jouer en version. En fait, j'ai vraiment pas eu le pot. J'ai trouvé une version que la même en anglais. Je la télécharge, ça me marque failed. Sans faire exprès, j'ai fermé la page. J'essaye de leur télécharger une deuxième fois. Et il me dit qu'il faut attendre 5 heures. J'en avais gros sur le cœur. Je comptais aller faire vite pour retourner là où nous en étions pour qu'on soit raccord ce soir. Mais pour être. La chance n'a pas été avec moi. J'avais envie de chialer, hein, pour vous mentir. J'avais envie de chialer. Elle est bien là avec sa petite baramine. On va même éteindre la lumière. Non, parce que on aurait pu jouer à la version PS2 en français, hein. Je l'avais, hein. Je l'ai téléchargé 3-4 fois là. Mais aucune étant HD, je vous assure que bon. Elle est tellement plus jolie celle-ci. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une brique? Non, du détergent. Ah bah voilà ton détergent. Et une brique pour casser la noix. On a du détergent. On s'aventure là, hein. C'est souvent quand on s'aventure et qu'on regarde pas la carte que ça avance le plus. Enfin, le jeu est magnifique. Bon, là on peut pas passer, hein. Bien envie de... Non, voilà. Okay. Je ne vais pas plus loin. C'est pas rassurant et plutôt dangereux. Il doit y avoir un moyen. Je ne peux tout de même pas les poignarder un par un. Il me faudrait de l'insecticide. Okay. Ben, on pourrait... on va en fabriquer un, j'imagine. Avec peut-être le détergent. Il était près de l'évier du boulanger. C'est pas pour la vaisselle, c'est pour la salle de bain. J'imagine qu'on pourra mixer ça avec ça ou... Enfin, on va se faire un insecticide à un moment donné. Bon, déjà, on se souvient que c'est ici, hein. Regarde la map. Ok, donc c'est là. On se souvient, en dessous de la petite demoiselle des chiottes, qu'on peut pas passer. Il va y avoir un truc avec l'aération. On va diffuser du poison. Moi, je le vois comme ça, hein. Non, j'ai. Et puis des fois les versions que j'avais n'étaient pas en plein écran. Enfin, il y avait toujours un truc, il y avait toujours une problématique. J'ai jonglé entre les versions, je vous assure, ça passait la journée. Juste pour votre plaisir. Voilà comment on est remercié. Bon. On continue à faire le tour. Ah là, c'est verrouillé. Ok. Toi, mon gars, tu vas faire les frais de la barre à mine dès le départ. Hein. Tu vas faire les frais du fait qu'on a trouvé une barre à mine. Hein. Bon, c'est bien. On a quand même une arme qui va nous soulager. Il va mettre du temps à mourir. Vous avez vu cette échelle là? Oh, les sons et tout, c'est mortel. Beaucoup de plaisir. Il est en russe, mais prend beaucoup de plaisir, Romain, à jouer à. Ah, ça lentille le. En HD. Oh, on y accède. Et oh là, oh là, oh là. À chaque fois, je joue sur un très grand écran, j'ai l'impression. J'ai le vertige. J'ai l'impression que je vais tomber. Pourtant, j'ai pas le vertige dans la vraie vie. Bon, là, c'est. C'est Ouroboros, là. C'est le serpent qui se mord la queue, là, c'est l'infini, y a rien. J'ai fait ça parce que maintenant ça va apparaître. Ok. Ah bah c'est rigolo ça, regardez, ça dépasse de mon cadre. Vous avez vu ça sur la gauche? Comme quoi la carte aurait pu être en 16/9 quand même à un moment donné. Bon, on est là. On peut pas aller plus loin. Il y a une porte que j'ai pas faite. Ici. Mais bon, il va rien y avoir. Allez, on y va quand même. De toute façon, on a que cette solution. Hein. Faire toutes les portes. T'as vu Nyctaras, il est même pas là. Et moi, hier, qui disait que c'était un fidèle parmi les fidèles. J'ai même envoyé un petit message privé pour lui demander s'il pouvait m'aider à trouver une version HD. Il m'a dit oui. J'ai plus de nouvelles. Ça aussi, j'en ai eu gros sur le cœur. Alors, je prends sur moi, évidemment. Mais jusqu'à quand je vais prendre sur moi? Je vais pas pouvoir prendre sur moi indéfiniment, hein, je vous le dis. Hein. À un moment donné, je vais exploser en vol. À un moment donné, je vais exploser en vol. Hein. Ça, c'est imminent. Hein. Bon, il y a une porte qu'on n'a pas faite ici. Ah, d'accord, bon. Bon, moi je propose que là où il y a les ventilos, on mette le détergent, quelque chose. Là on va pas y arriver. Hein. Bon, moi je retourne près du ventilo. On peut pas. Ah, il y a un petit bouton là.
Je ne sais pas à quoi sert ce bouton, mais il est sur marche. Voulez-vous mettre arrêt? Bien sûr. Mais ça, c'est le fait de streamer, hein, parce qu'on devient complètement aveugle. Et évidemment que j'aurais appuyé sur ce bouton-là quand je joue tout seul. C'est gros comme une maison. Je pense que c'est un mélange de stress et de... Je sais pas. De vieillesse, peut-être. Excusez-moi. Voilà, donc là on a arrêté. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pas du tout. On peut pas sneaker là et passer un petit peu? La porte est coincée, impossible de l'ouvrir. Ok. Bon, déjà, il y a un peu de mu. Qu'est-ce qu'il regarde? Vide. Ah, pourquoi tu regardes? Il nous a donné de faux espoirs. Et du coup, le fait d'avoir arrêté la ventilation. J'imagine la bouton de l'aération est sur arrêt. Non. Qu'est-ce qu'il y a un peu. On va pas mettre du dissolvant là. Elle arrive même pas à y toucher. Enfin, elle arrive même pas à toucher le bord. Non, c'est pas ça. Je voulais mettre la noix pour la casser. C'est tiré par les cheveux. C'est trop tiré par les cheveux. Non, j'ai ma clé de ma maison, j'ai la noix. Alors, faudrait qu'on trouve un moyen. J'imagine que dans la noix, il y a quelque chose. Peut la combiner. Non, avec quoi je pourrais combiner ça? Non, ça ne marche pas, évidemment. Me fait parce que si on n'est pas trop con là il y a la ventilation la ventilation est aussi ici et voilà il y a de la ventilation un petit peu partout ça ferait fuir les papillons on voit même l'ombre ici vous voyez imagine qu'on va balancer et là qu'est-ce qu'il y a ici ça. J'adore quand Internet décide de planter sans raison. Il s'est passé quoi depuis 5 minutes? Plein de choses. On est quasiment à la fin du jeu. Non, on a juste arrêté le ventilateur. J'ai juste arrêté le ventilateur. Je suis revenu sur mes pas. J'ai complété un peu la carte. Et c'est tout. Rien de sensationnel. Comment se fait-ce que ton Internet s'arrête comme ça? Puis en forêt. T'as un petit lutin. Ah, t'as un petit lutin. T'as pas voulu nous le dire, mais on l'a deviné. Bon, je retourne dans le bar. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui est écrit ici? Un menu est accroché au mur. Ça devait être un café avant. Ouais, mais avant quoi? C'est ça qui nous interpelle. Ouais, bon, on a trouvé une vapeur d'eau. Ah, une vapeur d'eau chaude sort du tuyau. À part ça, rien d'intéressant. Bah, on pourrait péter la noix avec ça? J'y crois pas du tout. Bah non, là je fais n'importe quoi. Curieux, je le trouve si dur. Oh là, oh là. Il est bloqué là, moi j'en profite hein. Mais il est pas si dur en fait, il fait peur mais il fait rien du tout. Ah bah ça y est. Allez, prends ça dans ton. Je vais dire une grossièreté. Ok, bah je sais pas. Wi-Fi de la cambrouse, plus vidéo trop lourde à charger, j'en sais rien. Ah bah je suis en 720. Je suis en 720p. Comment ça devrait aller là? Où nous ne sommes pas allés? Là il y a possibilité d'ouvrir. Il ne veut pas. Puis en plus je sais pas lire le russe. Hein. Ah! Bon lui on se le fait en premier.
Ah d'accord, c'est Dark Souls. Ah c'est pas mal. Là j'en profite que les autres sont bloqués derrière. Voilà. C'est bon? Bon, je crois que j'ai plus de vie, hein, par contre. Peut-être ce petit fight m'a un peu épuisé. Oh, c'est bon. Donc, il y a un système d'endurance, hein. Là, on va trouver du mannequin. Il y a un bras et un torse de mannequin sur le sol du vestiaire. Je sais que ce n'est qu'une grande poupée, mais ça donne quand même la chair de poule. D'accord. En fait, on est en train de revenir sur nos pas, là. Des mannequins démembrés. Ah, je regarde tout, hein, maintenant. Je fais plus avoir. Et voilà. On revient. Bon, pour le plaisir, évidemment, je vais au bout de celui-là. Voilà, comme ça maintenant sur ma carte, c'est indiqué qu'on ne peut pas passer par là. Je sais pas ce que je peux faire avec cette noix. Et là, la clé. Pardon, la clé n'a servi qu'une seule fois. C'est fou de... J'ai aucun souvenir du jeu. Voilà, la clé n'a servi qu'une seule fois. Ça nous a juste permis... Voilà, on essaye de... Essayons de réfléchir un peu. On a eu la clé. Ça nous a juste permis d'aller voir le... La ventilation, quoi, ici. Sur le chemin... On n'a rien trouvé de spécial, hein. Cette télé nous dit rien toujours. Je ne vois rien, je n'entends rien. Qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelqu'un dire papa. Je fais une save. Bon, les saves sont rapides. Seul problème des saves, évidemment, c'est que ça me fout en l'air mon... Ça me fout en l'air mon fond vert, regardez ça. Ça casse toute la magie. Je me sens tout nu. Bon, le jeu fonctionne toujours de la même manière. On a des objets, il faut les utiliser. Derniers... On a le pendentif, on a l'eau de Javel, on a le détergent. Il était près de l'évier du boulanger, mais c'est pas pour la vaisselle, pour la salle de bain. On pourra aller nettoyer les chiottes avec. Qu'est-ce que t'en penses, Léa? Maintenant qu'on a du détergent, puisque c'est pour les... Enfin, c'est tiré par les cheveux, hein, c'est pour la salle de bain. Une bonne grosse noix de présentoir du bijoutier. Il y a quelque chose dedans, mais je n'arrive pas à l'ouvrir à la main. Je peux pas combiner avec... avec une de mes armes. Genre, je mets un... Eh, franchement, je mets un coup de tuyau, puis c'est réglé, hein. Retourne. Ah, les toilettes, hein. On a dû. Enfin, bon. Je crois pas une seconde, hein, mais bon. Peut-être que sur la route, je vais me souvenir qu'il y a un truc pour la noix. Je crois pas, hein. Mais bon, pour... voilà, on vient d'avoir l'objet. Bon, je regarde où sont les chiottes. Pardon. Les toilettes. Donc là, on va être là. C'est même pas ici. Ah, si. Je ressors, c'est derrière moi et ça va être à gauche après. Bon,
par contre la maniabilité je suis content elle est beaucoup mieux. Heureusement, voilà pourquoi on n'a pas trouvé hier. Oh putain. Oh mais non mais là c'est pas possible. Il me bloque complètement le passage. Mais oui, hier on n'a pas trouvé parce que c'était pas possible. Non, sur la gauche j'ai dit. C'était impossible à trouver. C'était une porte qui ressemble. Vous entendez ce bruit? Voilà. Là, je me fais pas avoir. Je sais que les toilettes des filles, c'est ici. Allez, on essaye le détergent. On essaye à côté. Là, il y a le sang. Bon, ça servira à rien. Bah oui, évidemment. Je sais pas, moi je focalise sur les toilettes alors que c'était juste une private joke. Oui, hier on a bloqué parce qu'il fallait retrouver l'endroit pour les hamburgers là, mais comment on pouvait savoir que ça s'ouvrait? C'est une porte qui ressemble à tant d'autres. Je sais pas comment ouvrir cette noix ni. Aucune idée là. Bon, toi tu me fais pas peur. J'essaye de voir. Ah, vous avez entendu? Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Hein, je suis pas fou. On a bien entendu un truc tomber là. Les vêtements sont dégueulasses, ils sont tachés de sang. Il n'était pas comme ça avant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça je l'ai lu. Il y a bien un truc qui est tombé là. Là c'est verrouillé évidemment. Oui, c'est comme si une planche était tombée. J'ai pas fait bien attention, c'est ça par exemple? Je peux regarder juste avant. Le jeu est bien plus sordide que... Merde, là, j'ai du bol. Le jeu est plus sordide que le deuxième, hein. Il est plus crassouille, hein. Ça me plaît, hein, d'ailleurs. Il est plus joli, et... Peut-être parce que j'ai trop fait le 2. Enfin, j'ai trop relancé plusieurs fois. Bon, là, il n'y a pas besoin de détergent. On est en panne, impossible d'appeler de l'aide. Bon, lui, on se le fait pas. Moi, j'ai envie de me faire le chien, il m'emmerde. Oh putain, mais non, mais ils sont trop nombreux. Je sais même plus par où passer. C'est pas du tout par là. Ah, bravo. Ah, ils sont trois là, c'est. Même s'ils sont lents, c'est mission impossible. Non, là on est en train de revenir. Parce que si je retourne ici. Regardez, tout. Si je retourne en bas là. Vous voyez là par là. On peut retourner à la salle de sauvegarde. Et après tout, regardez, tout est bloqué. Il y a strictement rien à y faire. Alors je veux bien vite fait regarder, mais. Ouais, pour être certain quoi. Je vais retourner à la salle de sauvegarde. La dernière fois, la salle de sauvegarde, c'est là où. C'est là où il y avait eu les clés. Enfin, ça nous avait fait progresser. On peut regarder s'il y a pas quelque chose à faire ici. Un truc qui pourrait péter une noix. Je vois pas du tout en plus. Hein. C'est curieux ça. C'est pas une sauvegarde? Ah si.
C'était vraiment pour en avoir le cœur net, hein. Qu'est-ce qu'elle dit de ça? Il y a des livres et des magazines, mais je n'ai pas le temps de lire. C'est une bonne raison. Je valide. Bon, je vais commencer à connaître la map, là. Donc, du coup... Non, non, tout va se passer à l'étage au-dessus. Hein. Je pense qu'on n'a plus besoin de revenir ici. Hein. C'est malheureux d'avoir perdu encore du temps. Non, c'est pas par là. C'est pas par là, non, non, c'est... Non, c'est vrai qu'hier, on a perdu un temps fou pour trouver... Oula, oula, oula. Mais j'esquive bien pour l'instant. Ça va. Hier, on a perdu un temps fou, mais il fallait trouver cette porte-là. Mais regardez, ça ressemble pas du tout à une porte. Donc je m'en veux pas trop, je veux dire, je peux pas avoir été le seul. Il y a une porte ici. Mais le verrou est cassé, évidemment. Y a rien d'autre ici, là? Parce que souvent, je regarde mal. L'écran est trop gros, je vais aller trop vite. En regardant les VOD pour vérifier, pour checker le son et tout. Pour lire le chat aussi, parce qu'il y a plein de messages qui me... Je ne lis pas. En regardant les VOD, je me rends compte que je vais trop vite. Je check pas assez bien. Après, je m'en veux. Je passe une mauvaise nuit, je dors pas, puis après, je bats ma femme. Voilà. Vous voyez? C'est, voilà, c'est un cercle. C'est un cercle néfaste. En plus, je peux pas te dépatouiller parce que j'ai quasi aucun souvenir de ce jeu. Du moins des indices. Pas souvenir que c'était si tordu pour avancer. Mais moi non plus. Mais peut-être. En fait, quand on est hors ligne, on s'en fout de perdre du temps. Là, par exemple, je serai hors ligne, bon, bah, je chercherai. Et en fait, on a une espèce de stress qui s'installe quand on stream parce qu'on se dit, ah bah putain, faut que ça avance. Alors qu'en fait, je vais jouer exactement comme si j'étais tout seul. Sauf que je parle. Et quand je suis tout seul, je parle aussi, donc ça me change pas grand chose. Mais j'aimerais bien que ça soit fluide, en fait, voilà. C'est surtout pour les gens qui regardent après. J'aime bien quand c'est fluide, quand ça avance un peu. Tu vois, tout à l'heure, on a trouvé ça. Il y avait un gros chien. Il n'y a rien d'anormal ici, ouais, ça j'adore. Alors qu'il y a un gros chien clamsé sur la table. À part quelqu'un d'assez malade pour faire un truc pareil. De toute façon, je préfère pas savoir. Voilà. Et ben, si Nictaras était là, ben... Il aurait été bien peiné. Bon. Non, il faut qu'on trouve un casse-noix. Et là. Parce que tout me paraît suspect dans cette version HD. Parce que tout est joli. On a l'impression que tout est cliquable. Tout est ramassable. C'est ça que j'aime bien. Là, les casseroles. Cette gamelle est d'une puanteur. Je ne vais pas trop m'approcher. Tu vois? Par exemple, imagine, on l'aurait ouvert le couvercle et pris quelque chose à l'intérieur. Bon, voilà. On était bloqué juste pour ça. Et je pense que c'est encore la même chose, là. On est bloqué juste pour un petit truc. Là, on a trouvé la clé. Ah, on voit l'extérieur, hein. Je pense que chaque pièce a uniquement un seul objet en général. Ou alors de la vie, enfin des trucs revigorants, mais il n'y a jamais deux objets clés. Le verrou cassé. Là c'est une pièce où vraiment on ne peut faire que ça. Sinon, il y a la porte. Évidemment, il y a toujours ce truc de la porte. On peut peut-être mettre un coup de détergent pour enlever le croissant rouge. J'y crois peu, hein. Qu'est-ce qu'on entend là? Putain, le son là. Là au casque. Ça m'a surpris. On va la voir après ça. Je tente quand même. On va nettoyer un peu la porte. C'est pareil, regardez ça. Il y a un truc à l'intérieur. Il y a un joyau à l'intérieur comme une petite pastille rouge. Alors j'ai demandé à papa ce que c'était, il a dit un porte-bonheur. Puis il m'a dit de prendre soin et de ne jamais l'ôter. Ça pareil, on pourra le combiner. Bon, j'imagine que c'est pour plus tard. On peut pas péter la... De toute façon, on peut pas combiner. J'essaye de trouver un moyen d'ouvrir cette noix. Mais c'est soit la noix qu'on a trouvée chez le bijoutier, c'est soit le détergent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben, on va zoner. On va zoner, on va trouver. J'aimerais bien me faire le chien. Oh.
Bon, c'est pas du grand gameplay, hein, ça vient de... Eh oh, coquin, là. Tu vas te calmer. Putain, ouais. Ce qu'on a à peine. J'aime bien les tuer parce qu'après ça... Salut William. Hi William. How are you? J'aime bien les tuer parce que ça retire la musique. La musique stressante. Hi William. Thanks to be here. I feel alone with Leia. Bon, sinon, on a ces toilettes-là. En fait, ces toilettes-là sont juste au-dessus des autres. Tout est bien raccordé. Non, elles sont même pas au-dessus des autres. Elles sont au-dessus des autres, mais deux étages au-dessous. Rien. Nice. How about you? Hope all is going well with you. All is going well with me. Just, I have a nut. A nut. This one. And I try to figure out how to break it. J'essaye de trouver un moyen de l'ouvrir, la noix. And I don't know how to do. Et je ne sais pas comment faire. And it's a real problem for me. C'est un vrai problème pour nous, pour moi. On va trouver. Bon, le chien était ici. Faut rien faire ici. Faut juste aller dans les toilettes des filles. Mais ça nous a servi à quoi d'aller dans les toilettes? C'est là où on a trouvé le détergent? Non. Le détergent on a trouvé chez le boulanger. Ça servait à quoi d'aller ici alors? Non, pas du tout. À un moment donné, quand on est bloqué, on commence à faire n'importe quoi. Non, on a dû ramasser quelque chose ici. Je ne sais plus quoi. Curieux cette salle, hein. Enfin, ce passage. C'est un passage qui nous donne... qui nous a permis juste d'aller dans la toilette des filles. Il n'y avait rien d'autre. Quand même... même trippant. Évidemment, comme je suis en train de penser à 1000 choses en même temps, j'ai l'esprit très productif. Je ne me souviens plus. Normalement, tout à l'heure, voilà, non, si. Comment on est tout à l'heure, comment on est passé Ah oui, on a ouvert la, on a utilisé la clé. On retourne là où on était là. On retourne. Pour l'instant, on peut rien faire ici. On retourne à ce niveau-là. On a utilisé la clé, là. Et on peut ouvrir maintenant. C'est ici que ça va se passer. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là? Péter la noix avec la barre. Sauf qu'on est dans le jeu. Oui, bah alors, pendant que t'étais hors ligne, là, quand ton internet a planté, c'est ce que j'ai essayé, on peut pas le faire. Ouais, c'est le premier truc que j'ai pensé, évidemment, la barre à mine. Oh, la pierre rouge du pendentif, elle pourrait pas servir pour la porte avec la lune? Ça reste entre nous. Hein. Évidemment. Évidemment, Léa. Tu me déçois hein, parce que tu pourrais avoir ce genre d'idée plus tôt, quoi. Non, merci. Bah, évidemment que c'est ça. Mais je l'ai pas utilisé déjà. Ah, bah, si. Je crois que je l'avais fait. Hein. J'avais fait. Mais comme tu me l'as dit comme ça, je crois que revenant en arrière dans la vidéo, je crois que je l'avais fait.
J'ai essayé les clés et j'ai essayé le pendentif. Non, ce qu'il faut, c'est que la clé nous a permis d'ouvrir quelque chose. Il faut qu'on continue sur notre lancée, voilà. Pas qu'on fasse la fine bouche avec ce que le jeu nous offre. Je suis en train de faire trop ma fine bouche. Excusez-moi. La clé nous a permis d'ouvrir ici. Elle nous a permis d'ouvrir la petite porte qui se situe juste ici. Ok? Donc on y retourne. Et normalement, on a pu ouvrir ça. Donc c'est là que ça va se passer. On tourne en rond, hein. Une vapeur d'eau chaude sort du tuyau. À part ça, rien d'intéressant. J'ai quand même idée que la vapeur d'eau chaude pourrait nous aider à quelque chose. Vois pas quoi. What time is it, William? Where you live? It's 6 hours more or 6 hours less, I think. Demande à William quelle heure il est, là où il est. Parce qu'il doit y avoir un décalage de 6 heures, mais je sais jamais si c'est plus 6 heures ou moins 6 heures. Pareil, il y a cette petite échelle là qui m'intrigue drôlement. C'est quoi ici? On n'est jamais venu là. Ah, c'est là où on a eu le... Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait utiliser le détergent dans les éviers. Enfin, j'en suis là maintenant à bouiner tout seul le jeu. On peut utiliser le dé... Non, mais c'est la porte d'où je viens. Je vérifie. Hein. Sorry, bro. I cannot help you. As I said, I never play Silent Hill 3. Ah. It's okay. It's okay, William. It's better. Because if you knew the solution, it will be terrible for you to watch me playing. Je dis que c'est mieux qu'il ait jamais joué à Silent Hill 3 parce que s'il savait la solution, ça serait un supplice de me regarder jouer parce que c'est horrible quand on connaît la réponse. Quand je regarde les VOD et que je sais ce qu'il faut faire et que je vois que je perds un temps fou, que je repars dans l'autre sens alors que c'est là où il faut aller, j'ai honte, c'est un mélange de honte et puis de frustration. Ah, mais là, on n'a jamais été ici, mais putain, Romain! Oh là 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 là! Deux fois j'ai pris le. Voilà, c'est bon! On peut ressortir par là! Attendez, 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 j'ai fait n'importe quoi! Oui, mais voilà, c'est parce que la caméra m'induit en erreur. À chaque fois, je crois que je reprends la même porte, qu'il n'y a qu'une porte, mais il y en a deux! Regardez, quand je suis ici, à chaque fois, je crois que je viens de par là, mais. Mais non. Et une fois que nous sommes ici, un autre pan de la carte nous est ouvert. Eh ben non, c'est là où on en... C'est là où il y a les papillons. Oh mon Dieu. Yeah, that's it. If you have solution, you won't enjoy. Parce que mon anglais doit pas être terrible parce qu'il a pas, il a pas bien compris ce que j'ai dit. Encore un échec. Bon, c'est ici que ça va se passer, hein. C'est entre nous et les papillons, là, maintenant. It's between us and the butterfly. C'est entre nous et les papillons. It's between us and the butterfly. Je peux pas utiliser ça comme ça. Mais non, faut être malin, Romain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut bien sûr mettre. Je peux pas mettre la noix là pour la péter dans ce truc là?
Parce que là, le fait de le rallumer. Ça sert à rien. Je suis encore paumé. Alors, paumé, c'est encore une VOD. J'ai raté ça aussi, mais les papillons, on peut pas juste les passer normalement, bah non. Enfin, pardon. Non. Bah non, sinon j'y serais allé. Non, je sais que j'ai des lacunes. Mais non, regarde. Tu vois. Je ne vais pas plus loin. C'est pas rassurant et plutôt dangereux. Tu vois. On peut pas. Non, non, je suis. Salut Vénus. Salut mon amour. Non, c'est pas ça, Léa, malheureusement. On est dans la merde. Non, faut qu'on trouve. Le jeu rame pas du tout en plus, c'est très agréable. Il disait qu'il y avait du tearing, mais il y en a absolument pas. Moi, j'en ai pas. Hein. Hi, my love. I'm stuck. Je suis bloqué. Là, c'est génial ici. Hein. Elle a regardé la poubelle où dans le couloir avec le papy. Avec le papier. Non, mais c'est parce que tu te déconnectes, Léa. Et du coup, tu loupes. Mais j'ai déjà regardé la poubelle. C'était ici? Je sais que j'ai déjà fait la blague tout à l'heure. C'était une de mes blagues tout à l'heure. J'y retourne pour te faire plaisir, mais il n'y a rien dedans. Vide. Non, non, she's not American at all, William. It's my wife. Be careful. She live in Paris with me. She's in the other room. But it's kind. She support me. My street channel. J'explique à William de pas toucher à ma femme et que Vénus est dans la chambre juste à côté et que ça sert à rien d'essayer de la draguiller sur Internet. Yeah. Cheese. She's with the baby. Je lui explique à William que Vénus est dans la chambre à côté avec notre enfant. C'est verrouillé. Elle est la clé de la maison. Mais non, évidemment que non. Je crois que j'ai jamais bloqué autant. Bon, si, j'ai bloqué dans plein de jeux. Hein. Mais là, un Silent Hill où chaque. Pardon, là, je crie un peu dans le micro. Où chaque énigme pose souci. C'est une première fois. C'est une première fois, là. Vraiment. Tout me paraît. Bon, en même temps, c'est bien. Hein. C'est bien. Tout me paraît complètement. Je sais pas. J'ai l'impression d'être complètement con. C'est vrai. Hein. Là, j'ai du détergent. Je vois pas du tout ce que je pourrais nettoyer avec le détergent. Je vois pas du tout ce que je pourrais, où je pourrais casser la noix. Pardon. Thank you, William. Je vois pas du tout ce que je peux faire. Puis ça m'agace, là, déjà, eau de Javel. C'est pour nettoyer les toilettes. Pourquoi elle a pas nettoyé les toilettes? Bon, en même temps, on va pas lui demander de nettoyer les toilettes. En fait, on sait pas jusqu'où le jeu est permissif. Voilà, c'est le mot. L'eau de Javel aurait pu très bien servir dans les toilettes, mais ça n'a jamais été utile. Par contre, on peut le combiner. Alors ça, c'est un mystère. De toute façon, il y a plusieurs objets qu'on peut combiner. Hein. On a l'eau de Javel. On a le détergent. On peut combiner aussi. Et on a la noix.
Mais bon, le détergent combiné avec l'eau de Javel, pourquoi? Quand? What the fuck? Et la noix? Ah, la noix, comment on peut casser cette noix? Aucune idée. Il y a un truc que j'ai loupé ici. Toujours pareil. Je retourne voir les papillons. Souvent c'est sous mes yeux et puis souvent c'est sous mes yeux et je le vois pas. En plus on a tout, on a le détergent, on a l'eau de Javel, enfin voilà. Et à la limite, même si c'est pas le détergent et l'eau de Javel pour faire fuir les papillons avec le ventilo, la noix on peut la péter avec les ventilos, enfin il y a forcément un truc comme ça. Bon, je viens de checker la solution, c'est malicieux. Bon, bah aide-moi, s'il te plaît. Donne-moi juste un indice. Tu me donnes juste un petit indice. Ça restera entre nous. On fait ça vite fait comme ça, sous le manteau. On s'arrange après. C'est malicieux, ouais. Imagine. Et est-ce que je suis au bon étage déjà? Enfin, donne-moi. Harangue-moi. Faut mélanger les deux tailles dedans. La fucking poubelle! Ah oui, non, bah d'accord, non, mais bon, voilà. Ouais, non, mais voilà. Non, mais voilà. Là, faut pas déconner. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Il faut mélanger ça dans la poubelle. Tout seul, ça n'a aucun effet. Ah, et en plus, il faut combiner ça et ça, et il faut utiliser dans la poubelle. Ah non, mais faut pas déconner. Comment j'ai trouvé ça, moi, en 2003? J'ai dû passer 1000 ans. Non mais. Et là, faut rallumer. Non, 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 mais là, je suis content que tu m'aies donné la soluce parce que sans. Je veux bien être gentil. Hein. Je veux bien être gentil. Ah, il fallait l'arrêter. Ah oui, en fait, faut l'arrêter pour pas que ça. Pour que. Non mais faut le remettre en route. Maintenant ils sont partis. Voilà, maintenant nous on peut passer. J'essaie de comprendre, voilà. Ah non, mais alors là. La porte est coincée, impossible de l'ouvrir. Merci Léa, hein. Je t'ai pas remercié. Mais là, non, non, là c'est. Oui, quand tu dis que c'est malicieux, c'est malfaisant. Malfaisant, c'est malfaisant. La poubelle. En plus. Juste avant, il y a une pièce où il y a un. Putain, j'ai laissé le truc follow me. Oh là là, excusez-moi. Hein. Juste avant, il y a une pièce avec un lavabo. Alors, on se dit qu'on peut le faire dans le lavabo à la limite. J'ai essayé, vous avez vu. Revenez en arrière dans la vidéo si vous y arrivez. Moi, je peux pas là. J'ai essayé de faire ça. Mais dans une poubelle. Ah oui, évidemment. Le lavabo est trop loin de là où se trouvent les papillons. Oui, d'accord. Mais pour au moins mettre un petit message en disant ah, c'est une chic idée, mais je suis trop loin. Enfin, un truc comme ça qui nous mettrait sur la piste. Le verrou cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Non, non, non. Crois-tu qu'ils l'ont fait? Absolument pas. Non, non. Là, franchement, heureusement que tu m'as aidé. Je pense qu'en 2003. J'ai dû trouver, mais en passant 1000 ans, voilà. J'ai du beef jerky, ah bah bravo. Vraiment exactement ce que j'avais pas besoin. C'est pour les chiens. Apparemment, c'est un leurre. J'ai des balles de pistolet. Ça, par contre, ça m'intéresse un petit peu plus. On va faire un petit F5, hein. J'ai pas confiance dans le jeu. J'ai plus confiance dans le jeu. Comment voulez-vous que j'aie confiance dans le jeu? Fallait mélanger les trucs dans la poubelle. Oula, oula. Là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal, mais on est à la croisée des chemins. Ah bah ça va, la croisée des chemins. On va tenter à droite. Attention. Ah, il y a de la bataille. Mais ça va le faire. Ça va le faire parce que je joue bien mieux maintenant.
va rien nous faire, lui. Il va rien voir. C'est bon, on l'a eu. Et alors, il va mourir, là? Il faut combien de coups de pied? C'est bon, c'est bon. Eh ben, dis donc. Le jeu... Mais bon, le jeu est plus retors. C'est agréable. Il y a une porte. Donc, on est arrivé là. Moi, ce que je propose, c'est déjà... Elle veut plus faire... Elle veut plus faire le demi-tour d'un coup? Ah oui, j'ai plus le strafe. À chaque fois que je connecte ma manette en Bluetooth, il me fait des surprises. Mais là, j'ai plus le strafe. Le strafe, c'est de passer. Hein, vous connaissez. C'est le décalage à gauche, à droite. Bon, donc on n'a pas le demi-tour. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, on tourne sur nous-mêmes maintenant. J'ai mis la maniabilité 2D. Je me sens plus à l'aise comme ça. Indibilité 3D, là, c'est... Bon, il va y avoir quelque chose, là. Qu'est-ce que ça fait, là? Sinon, ce n'est pourtant pas un hôpital. Bon, on en revient à ce que je vous disais, de ces objets qui apparaissent dans des endroits incongrus, voilà. Là, c'est un lit d'hôpital. Bon, on a fait tout l'étage. Hein. On a fait tout l'étage... On continue. Je vérifie bien. Allez hop. Ah non. Vous voyez? Il y a une porte que j'ai pas faite. Pile en face. C'est pour ça que je suis méthodique. Hein. Bon. Côté cassé. Ah, j'ai plus mon retournement. Automatique. Oula, c'est quoi ces horreurs? Fait exprès de ça, le met en... C'est pour que la carte se complète. Ok. Donc là, c'est une espèce de salle de torture mixée à un truc moyenâgeux. Parfait. On dirait que cette forme a été dessinée avec du sang. Sans doute un genre de symbole maudit. J'ai mal à la tête et je me sens mal quand je le regarde. On avance quand même, grâce à l'air. Le verrou est cassé, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est juste une salle de sauvegarde. Elle regarde quelque chose là. Hein. Oui. Allez, on va pouvoir casser la noix. Il y a comme un défaut ici. Un défaut. Vous voyez la traduction, il y a comme un défaut ici. Allez. Là, je suis pas con. Voilà, ça me parle. Là, ça ressemble à un casse-noix, je mets une noix, ça se casse, bon. Content. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pas de noix dans la coquille, mais une pierre précieuse. J'ai une pierre de lune. Ah, c'est bon, c'est pour la porte en bas. Bon, bah voilà. Là, déjà, c'est mieux. Je sais pas ce que vous racontez, Je peux pas le savoir. C'est déverrouillé? Et on est où là du coup? D'accord, on est là. Donc je repasse par là. On va retourner à la pierre de lune.
Qu'est-ce qu'il y a, il y a des ennemis partout maintenant? Oui. Putain, salaud. Mais pourquoi il veut pas? Allez. J'ai l'impression qu'on peut armer une, voilà. On peut armer une, enfin, elle peut mettre un coup plus violent si je maintiens la, la touche. Ok, on arrive ici. Et là, c'est juste à droite. Bon, on va pas se les faire, hein, tous. Il y aura pas de faut pas faire les jaloux, hein. Je peux pas m'occuper de vous tous, hein. Ok, donc là, on est revenu ici. Et on va aller faire la pierre de lune. Je me souviens bien. Normalement. Voilà. Là, il y a une lune. Hein. Pierre de lune, il y a une lune. Ça doit être ça. Hein. Alors, c'est juste une pierre précieuse qui ne vient pas vraiment de la lune. Elle était dans la noix. Allez, c'est bon. J'ai coincé la pierre de lune dans la porte. Ok. Très bien. C'est bien fait, hein. J'aime beaucoup, hein. On va prendre les... on va prendre le grand escalier que j'adore. D'ailleurs, je l'aime tellement que je... bah, vous l'avez certainement vu. Bah oui, vous l'avez vu. Je l'ai mis en fond d'écran. Je fais le tour pour m'assurer que on ne loupe rien d'essentiel. Mais je vais vous montrer ça à nouveau. Regardez-moi ça. Ça j'adore. Ça j'adore. Bah regardez, hein. Je l'ai mis là. Coquin que je suis. Bah ouais, je trouve ça sublime. Oula 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 oula. Non, faut utiliser l'échelle. Ils ressemblent tellement à rien, ces monstres-là. On dirait des Pokémon façon Tchernobyl. Oui, ils sont curieux, ceux avec les deux petites pattes, là. Ah, ça, j'adore. Je vais fumer pendant, qu'elle descend. Ça sent le boss. Là, ça sent le boss. Hein. Ok, oui. Bon, je me suis planté dans le micro. Peut-être que j'ai coupé quand j'ai parlé tout à l'heure. Ou inversement. Pardon. Ça sent le boss. On va reprendre le flingue. Qu'est-ce que ça va être? Quelle monstruosité va apparaître? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, déjà, on va s'armer du flingue. On va le recharger. Alors, elle est où? Quand il se recharge, je recharge mon flingue. Il faudra faire attention à là où il arrive. Bon, il est pas dur. Il est pas dur. Ça va aller. Ça va le faire. Dur, hein. Bon, si on a un flingue, ça va. Si on a un flingue, il est pas dur. Ce qui est curieux,
problème, c'est qu'il repoppe toujours au même endroit. Alors, est-ce que je suis en train de le brainstormer pour le faire réapparaître toujours au même endroit? Et voilà, oh bah non. Alors, ça, c'est du boss. De petites zones. Et on est revenu dans le monde normal. Am I back? D'accord. Bon, j'imagine que ça nous tend les bras de passer par là. Je check rien, je vais où mon feeling me d'aller. Voilà, très bien. Pas perdu de temps. Heather. It's you. Ah, le détective. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Il bosse pour Claudia. I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster. What the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. Salut bad boy, Gamerang. Salut mec. How did I remember that? T'arrives au bon moment, au moment où ça se débloque. What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. Bon, tu nous laisses, hein, le détective. Et toi, tu fais ta vie, voilà exactement ce que j'allais te répondre. Et moi, c'est le mec qui demande une gamine de 16 ans. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas venir avec toi. Allez, je me mets dans ta poche. Bon. Oui, Gamerang, comme je le disais, tu arrives au bon moment. On a trimé pour les papillons, on a trimé pour le détergent. Qu'il fallait mixer dans la poubelle avec l'eau de Javel, enfin bon, toute une histoire. Bon, les ennuis commencent avec ça. On ne sait pas lire le russe, évidemment. Je n'ai pas la carte de secteur. Bon, bah, on va tenter les deux. Avec la chance que j'ai, ça va pas être la bonne direction. Peut-être que si. Là, c'est fermé, hein. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Il y a un cadenas... Le verrou est cassé, mais c'est pas du tout cassé. Il y a une barre énorme avec un cadenas, surtout, avant d'être cassé. Pas de se plaindre. Il faut qu'on trouve la carte Fissa. Hein. Normalement, la carte, elle est toujours en début de zone. Elle serait... Moi, je la vois bien qu'elle serait là-dedans. Ouais, dès demain, ah bah voilà, merci.
Ok, donc là on est dans le métro, hein, je vous traduis. J'ai un plan du métro, putain. Oui, demain il faut absolument que je trouve la carte. Faut que je trouve la carte, faut que j'ai le jeu en anglais. Hein. On y travaille, hein. Je vous assure qu'on y travaille. Bon, des munitions, ça c'est très bien. Le boss était une rigolade, hein. Ce boss était une rigolade, l'espèce de larve là. Hein. On l'a fait en 2-2. Hein. Donc, le métro, il a combien d'étages là? Ah bah oui, on va s'amuser. On va s'amuser. Bien. Ça va être bien. Donc on a fait tout ça. On peut évidemment descendre. Allez, on descend. J'ai un truc que je retiens quand s'il fallait retenir quelque chose, c'est qu'il faut se fier au feeling. Tout à l'heure, là, je viens de le faire et ça s'est bien passé. On va continuer comme ça. Putain, mais... Par exemple, là, on va reprendre la petite baramine. Ah là là là. Parce qu'on est à peine là-haut là. Et il peut pas, je peux pas le toucher parce qu'on est dans les escaliers. Allez, on va lui remettre le dos en place. Allez. Non mais vaut mieux être méthodique et les tuer les uns après les autres. J'ai pas du tout envie de les avoir mes basques. Puis après, au moins, vous allez trouver ça idiot, mais... Oh là là, je l'ai dodgé, là, lui. Vous allez trouver ça idiot, mais ça fait des repères. On sait qu'on est déjà passé par là. Il est où? Allez, viens là. Oh, merde. Voilà, c'est bon. Là, on l'a coincé dans un coin. C'est bon. On devine hein, ce qui se passe. C'est bon. Et au niveau vie, on est comment là? Allez, on va reprendre une petite provision. Voilà, c'est bon. On est full vie, on est full vie. Oui, ça donne un indice. Oh, putain, oh, je l'ai dodgé encore. Ah, il peut. Je peux pas m'empêcher de me faire toucher avant. Hein. Le jeu, les monstres sont bien plus véloces que dans le premier, hein, c'est fou. Putain, c'est pas possible. Peut-être bien fait de faire, j'ai bien fait de faire une save. Sans déconner, j'ai tué les deux autres jeux avant de me poser problème. Ah, il faut vraiment pas être devant lui, hein. Oh mon dieu. Perds pas ton calme, Romain. Ça va bien se passer. Voilà, c'est bon. Celui-ci nous aura fait plus de mal que le boss. Il était beaucoup plus dangereux. Ah, par contre, il avait pas de cinématique. Bon. Au moins là, la zone, on sait qu'on est monté par là. Hein. A plus de... On n'a plus de soins, hein. Bon, on va en trouver évidemment, mais... On peut redescendre encore. Bon, cet étage-là, je vais essayer de le checker. C'est peut-être juste un petit passage intermédiaire. Bon, il y a bien une petite porte. Du coup, j'ai vraiment l'impression que le jeu se déroule en Russie, hein. Ce qui donne un petit charme, hein. Je vous le cache pas. On a vraiment l'impression de se retrouver. Attendez, c'est là la poubelle là. Non, que dalle. Non, non, c'est juste pour descendre. Alors peut-être que l'idée. Non, non, voilà, il y a un escalier pour monter, il y a un escalier pour descendre. Tout simplement. Attendez, je fouille quand même ici. Les ordures bloquent le passage, je ne peux pas passer ici. Ok.
J'ai un casse-noisette. On a déjà cassé la... On a déjà cassé la noisette. L'a déjà cassé. Je vais regarder ce que c'est quand même. Rouillé et impossible à tourner. Sert à casser des noix. C'est rigolo. Rigolo. C'est quand même rigolo qu'il nous refile un casse-noisette alors qu'on vient justement de casser la noix. Des ordres bloquent le passage, je ne peux pas passer ici. Ok. On va remonter. Là, on est bien d'accord. On était où? On est machin 2 là, ok. Et on est bloqué. Curieux comment la carte est faite. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt ça, voilà. C'est bloqué. On a l'objet. Ça a relâché des monstres, évidemment. Alors on peut se protéger. Putain, les a-tu pour rien. J'ai envie de regarder la carte, vite fait. Là, c'est par où on vient. On peut descendre. Là, c'est bloqué et à l'autre pour monter. Et là, on peut pas y aller. Ok. Donc on remonte. Non, c'est pas là. C'est qu'on est sur le bon chemin. Si les ennemis pop, c'est qu'on est sur le bon chemin. Là, c'est cassé, hein. On peut pas utiliser le. Ah, on peut rien faire là. Là, nous ne sommes jamais allés. Ah, ça va être l'imbératique, hein. Mais y a de la porte là, j'ai vu. La porte. Allô? Une rangée de cabines téléphoniques, mais elles sont toutes en dérangement. J'opte pour la porte à droite. Faut toujours que je sois sur mes gardes, hein. On aurait pu passer à gauche du coup, hein. Vais tenter à gauche, hein, pour voir. Avant, non, bon, on peut rien faire. Je vais ouvrir la porte. Non, je l'ai fait pas parce que je suis idiot. Je l'ai fait parce que si des fois elle était fermée et puis on pouvait la débloquer dans l'autre sens. Une petite save officielle. Ok. Donc là, on peut monter ou descendre. Si on monte, ça va nous remettre là, mais on s'en fout. Hein? On est bien d'accord? Je tente pour bien comprendre le plan, hein. Pour être sûr de moi. Oui, voilà, donc ça nous remet là, on s'en fout. Non, on va redescendre. Et on va redescendre. Plus de musique, y a plus rien, c'est une autre atmosphère. Hein. J'aime bien. Là, il y a deux, on peut pas, on peut descendre de deux façons différentes. Les deux amènent au même endroit. A plus beaucoup de vie. Hein. Ok. Ah. Ça me fait plaisir. Là, c'est la première fois que dans un des Silent Hill, on est content d'avoir de la vie. Dans l'autre, vraiment, sur Silent Hill 2, là, on a roulé dessus. Hein. Bon, y a rien ici. Hein. Continue. Continue notre petit périple. J'ai jamais été très très fan dans les jeux vidéo des séquences dans le métro. Peut-être parce que tout se ressemble.
fait, j'ai compris pourquoi il fallait passer. Il y avait deux embranchements. On va pouvoir descendre de l'autre côté. C'était bloqué. Sinon, on est bloqué. Ok. Puis encore un chien. Je regarde quand même s'il n'y a pas une boisson revigorante, quelque chose. Bon, les chiens sont l'ennemi le plus coriace qu'on ait trouvé depuis le début du jeu. Hein. Mais si c'est pas dégueulasse, c'est marqué que je suis mort, j'imagine. Non, mais comment voulez-vous le savoir? Comment voulez-vous savoir quand que tombant sur le rail directement, même pas quelques instants après, comment voulez-vous savoir que l'on va que l'on va décéder? Et je retourne prendre la vie. Puis on décède immédiatement. À la limite, il y aurait une petite. Enfin, un petit. Oh, il y a un journal ici. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Bon, bah, notre mort ne nous aura pas servi à rien. Notre mort n'aura pas été inutile. J'ai lu ça il y a longtemps. C'est un petit magazine d'occulte. Puis quand elle décide d'y foutre les pieds, comme par hasard, voilà. C'est un petit magazine d'occulte de rien, des foutaises. C'est pas trop mal quand on le lit pour rire. Les âmes des victimes mortes, brusquement suite à un accident ou à un suicide, ne réalisent pas qu'elles sont mortes. Parfois, elles stagnent et entrent l'endroit où elles sont mortes. Leur esprit a perdu leur sens humain et leurs souvenirs et ne voit que la douleur et la tristesse de leurs derniers instants. La douleur est parfois si intense qu'elles cherchent le salut auprès des humains ou leur envie, leur vie. Dans ce cas, elles peuvent posséder les humains. C'est souvent la faute d'endroits connus comme étant des lieux de suicide fréquentés ou zones d'accidents fréquents. On recommande la prudence aux abords de ces endroits, surtout le jour ou à l'heure ou à leurs anniversaires de la mort. Putain, la traduction. Enfin, si vous voulez, évitez le même sort. Bon, j'ai pas le meilleur acting du monde non plus, mais c'est quand même drôlement mal écrit, hein. Désolé. J'ai pas pris le même escalier que tout à l'heure? A priori, non. On y retourne là. Mais je veux checker dans l'ordre où j'ai fait. Hein. Je veux reprendre ma vie. Hein. Il y avait une petite bouterolette. En fait, j'étais pas descendu là. Hein. C'est ça qui s'est passé. Je le sens gros comme une maison là. Il y a une petite boisson revigorante. Oui, en fait, on n'est pas du tout passé par là tout à l'heure. Là, on peut remonter. C'est un vrai labyrinthe. Hein. Ah là, là, il y en a une là. Oh, puis avec une trousse de soins. Magnifique. On va la prendre tout de suite et puis on va pas oublier de faire une sauvegarde. A pu se faire avoir. Terminé, ce temps-là. Terminé, ce temps-là. Bon bah maintenant qu'on est là, on y va. Hein. Tout qu'on est mort avec les chiens, bon. Nous a laissé un mauvais souvenir. Faut dire ce qui est. Mais je. Ah oui, non, en fait, on fait le tour. Et ok. Bon, faut qu'on se souvienne de plus jamais revenir ici, hein, ok? Donc ici, c'est machin 4.
Voilà, tout à l'heure on a fait machin 3. Le contrôle qui garde en mémoire la direction et... Alors déjà que c'est le bordel, alors en plus que ce soit en russe. Au secours. Donc voilà, là on a fait le 4, maintenant on va aller au 3. Pour reprendre encore notre vie. On savait que dans l'autre, il y en avait un... Oh putain. Et du coup, il y a les chiens qui sont revenus. Bon, je les tue pas, hein. Je sais qu'ils vont repoper. Ça nous intéresse plus. Cette histoire. Oui, voilà. Fait que ça. Donc on fait bien attention de ne pas tomber sur... sur le rail. Suis pas idiot, hein, c'est juste que j'aime bien toucher le bord parce que sinon c'est pas indiqué sur la carte. Je crois que de l'autre côté il y avait pas grand chose, hein. Mais je veux m'en assurer. Bah si, c'est là où on était. Et c'était. Alors, il faut quand même que je l'indique sur mon truc. C'est que la porte est bloquée. Il faut que je le marque sur mon plan. Je suis désolé. On va faire ça vite. C'est verrouillé. Ok. Et on s'en va maintenant. On va slalomer entre les poteaux. Ça va leur donner le tournis. Le jeu va pas savoir où aller. Donc là, si je regarde ma carte, on voit bien que sur la rame 3, on pourra passer. Faut être méthodique. Faut faire n'importe quoi. Ok, bon, maintenant on remonte. Je pense que ça n'a pas d'importance d'où on remonte. Oui, ça n'a aucune importance. Ah, c'est vieux jeu qui garde en même... Enfin, bref. Normalement, il devrait comprendre. Donc là, maintenant, nous sommes ici. On a tout checké. On a fait la RAM 3, on a fait la RAM 4. Enfin, on a commencé par la RAM 4, on a fait la RAM 3. Maintenant, voilà, il y a des endroits où nous ne sommes pas allés. La 1, la 2. Non, on... Du coup, on... Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on continue par là. Continue par là. Ça, je l'ai déjà checké, y a quelque chose par terre. Non, que dalle. Par contre, là, on peut aller par là. On va faire la rame 1. Salaud! Pourquoi il veut pas la taper? Pourquoi il veut pas le taper? Ah, parce que je suis pas. On a eu du bol, hein. Enfin, non. On a pas eu de bol du tout. Et on se casse. Il a gardé en mémoire que j'avais quand même tué les chiens, là? Attendez. Plus où je suis là, on retourne sur la rame 2, mais on veut pas du tout faire ça. Je ne et oui, on peut pas remonter là. Ok, il a gardé en mémoire. En fait, j'ai dû faire la save après, donc nous sommes déjà montés ici. Donc, une fois qu'on est ici, là. Aller en face. Voilà. De toute façon, il y a les panneaux 1, 2. Alors, celui-ci est fermé. On va peut-être l'ouvrir avec le casse-noix. Je pense. Les chaînes qui bloquent les portes sont calées par un boulon et un écrou. L'écrou est trop serré pour être desserré à la main.
Fossile, hein. Pas de temps, là. C'est bon, c'est ça. J'ai utilisé le casse-noisette. Allez, ouvre-toi. Sésame. Un petit F5. Bon, non. C'est déjà plus fluide hein, que tout à l'heure. Malgré cette tragique mort. Qui était pas vraiment de mon fait. Hein. Pas vraiment fait exprès. Bon, on va pouvoir rentrer là-dedans. Évidemment. Et j'ai envie d'aller au bout quand même. Attendez ce son là. Hein, de vous à moi, ça fait quand même un peu peur. Un petit peu. Là, je suis tout seul dans mon salon. Même pas large. Sur ce casque. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Ok. Donc là, un petit check de vérification de la carte. On est très très bien. Il faut juste qu'on se souvienne que c'est sur le quai numéro 2. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Le quai. Ah, on peut encore descendre. Alors, si on descend encore, ça nous ferait descendre où? Oh, ça devient l'infamie après. On se souvient que sur le quai, là, on peut encore descendre. J'ai envie de le faire, mais j'ai envie d'aller dans le métro aussi. Allez, on regarde un petit peu le métro. On est curieux, quoi. Qu'est-ce qu'elle a regardé? Qu'est-ce qu'elle voit? C'est des balles de pistolet, ça, de quelque chose. J'ai des cartouches de fusil de chasse. Oh putain, on a un fusil de chasse, ça va être très bien, ça. Il arrive très tard hein, dans le jeu là-haut. Enfin, c'est peut-être parce qu'on trouve pas les énigmes aussi. Hein. De toute façon, il arrive très tôt. Ça dépend à quel rythme on joue. Et bah le voilà, on a le shotgun, putain, un paquet de cadeaux. Est-ce un cadeau d'anniversaire? Putain, mais c'est génial d'offrir ça comme cadeau d'anniversaire. Tu t'offrir un shotgun, mon fils, quand tu vas avoir 2 ans. Non, je ne crois pas. Aucune de mes connaissances ne m'offrirait quelque chose d'aussi dégoûtant. Mais je vais le garder. Ça peut servir comme les monstres. Contre les monstres, je pense. J'ai un fusil de chasse. Ok, donc c'est ici qu'on trouve le shotgun. Alors attendez, je vais m'en équiper parce que, évidemment, ils vont me demander de m'en servir tout de suite, normalement. Alors, on est comment là? Ah, bah on est bien. La porte est coincée, impossible de l'ouvrir. Ok. Je check un coup la map. Y a pas de porte, y a rien. Bon, on a bien fait de commencer par le métro. On a bien fait. Qu'est-ce qu'on entend là? Regardez-moi cet amas dégueulasse. Je veux même pas savoir ce que c'est. Bon. Là, on est derrière où on pouvait pas passer tout à l'heure. Voilà. Ok, je pense que là, on est sur le bon chemin. C'est juste une issue de secours, elle ne mène nulle part. Ok. On descend, on va checker toutes les petites portes. Elle a du mal à garder la courir droit. Hein. La porte est coincée là, c'était marqué. La porte est coincée, impossible de l'ouvrir, ok. Donc là, on a deux possibilités. On peut redescendre par la 2. Ce sont les deux. Non, là c'est la 3 et l'autre c'est la 4. La 3, on la connaît. Par contre, la 4, nous n'y sommes jamais allés. On va faire la 4. On peut regarder les panneaux là, il y a quand même les numéros, même si on sait pas lire le russe. On comprend quand même là quand c'est marqué 4. C'est le métro de Paris, sauf qu'il y a moins de monde quoi. C'est tout aussi propre. Bon, toi. Voilà. Il allait nous emmerder.
Pardon, je suis un petit peu vulgaire. Mais il allait nous ennuyer là. On peut pas recharger. Une balle suffit, hein. Ça c'est la bonne nouvelle. J'espère qu'on peut ouvrir ça quand même. Le verrou est cassé. Bon. Ah ah ah. Vous voyez là, c'est bah, c'est là où il faut qu'on aille. Au-dessus. Bon, bien sûr, on n'a pas la clé. Hein. Et mais après, il y aura de petites portes là-bas. Où c'est marqué Bachelor of Fenstein. Là où c'est marqué ça, c'est là où il va falloir qu'on se rende. Dieu. Je vais essayer avec le. J'ai pas de clé, j'ai rien. Hein. Non, on n'a pas trouvé d'autres objets. Tenter celle-là. Ce qui est curieux, c'est que. Ah mais on est de l'autre côté de la porte, mais c'est parfait. Voilà, voilà ce qu'il fallait faire. C'est bon, on a réglé l'histoire. On va mourir là. Attendez, F5. Non, là c'est bon, on a le temps. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et oh là là là. Heureusement que j'ai fait la save. Salut Rorgai. Hi Sean. I'm fine, just I'm lost in the subway. And you, how are you? Donc là le verrou est cassé. Alors du coup là je ne vois pas du tout où je me rende. Alors Horror Guy, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon ami Sean qui vit au Colorado. Moi je suis comme ça, hein. J'ai un ami à Las Vegas, j'ai un ami au Colorado. C'est le luxe d'internet. Bon, où nous ne sommes pas allés? On a tout fait, hein. Je regarde. Non, il y a celui-ci que pas fait. Mais on peut pas parce que c'est bloqué. Là aussi, c'est bloqué, donc on a tout fait. Après, c'est concernant là. Mon Dieu. Ah, il y a une porte là qu'on n'a pas fait. Oh mon Dieu. Et si on remonte tout? Et s'il n'y a rien là? Si on remonte tout pour se rendre compte, au final, que c'est une porte fermée, ça va être agaçant. Hein. Sachant, en plus, on voit bien qu'il n'y a rien. Attendez, je retente un coup, là. Je veux vraiment savoir ce qui est écrit. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à l'ouvrir. On va mourir. Mais on peut pas remonter. Non, c'est. Non. Mais je trouve c'est curieux que la rame n'arrive pas tout de suite. What ending did you get in Silent Hill 2? I get the good ending. After 9 hours. We took our time. J'explique à mon ami Sean que. On a eu la bonne fin dans Silent Hill 2 et qu'on a mis 9 heures à la voir. Peut-être qu'on peut traverser, mais ça servira à rien qu'on traverse vu que nous sommes déjà allés là. Alors là, je ne vois pas du tout ce qu'on peut faire. C'est déverrouillé. Ah bah ça c'est pratique quand même, qu'on puisse déverrouiller les choses. Thank you.
si on déverrouille, ça veut dire que c'est qu'on doit revenir sur nos pas. Qu'une autre raison. And you? How, where are you in the Dark Souls? Je lui demande où il en est dans Dark Souls. Cette conversation nocturne. Did you beat it? Je lui demande s'il a fini le jeu. Il a envie de refaire de refaire Silent Hill 2 pour avoir la fin avec les extraterrestres. Ok. I never had the UFO ending. Alors je traduis, je l'ai jamais eu la fin avec les extraterrestres. Bon, maintenant qu'on est ici, on le fait le grand tour et on va voir là-bas. Putain. On va faire ça. I finished Dark Souls and now I'm starting Dark Souls 2. Great. You never beat it, Dark Souls 2? Well, if you begin, I guess you never beat it. Il commence Dark Souls 2 et je devine que bon, il y a jamais joué. Ok, donc là, on peut pas passer. Alors, comment on a fait pour y arriver? On est passé par là. C'est un enfer hein, quand même. Hein. Faut qu'on aille vers le tram 1. Nope, I never play any of them except the first one. Ok. Alors là maintenant je vais lui dire que de mon côté j'ai fait tous les Dark Souls. I finish all Dark Souls. I finish first. I began Bloodborne. After I came back on Dark Souls 1. After Dark Souls 2. After Dark Souls 3. It was just lunch, I remember. And not so far, Sekiro. Most of the time, the first you play, it's your best Dark Souls games. Sorry for my poor English. I'm not very good for speaking English. Especially when it's late. Putain, mais là, si je descends par là, est-ce que je peux réaccéder? En fait, j'aimerais aller là. Vous comprenez? Et ben là, je peux y aller. Attendez, la carte elle est comment? C'est derrière moi, à droite. C'est là. D'accord. On peut passer là. Ah voilà. C'est parce que je parle anglais là, je me plante, c'est à cause de Sean. No apologies, I'm sorry my friend, your English is good, I keep telling you. Oh, thank you. Il me flatte. Il me fait des louanges. Ah, le verrou est cassé. Tout ça pour ça. Ah là. I came here and the door is closed. Just for a shit door. Je suis venu pour rien ici. Je suis venu pour rien. Sean, I lose my time. Je lui dis que je perds mon temps. J'ai perdu mon temps. Ça nous arrange pas hein, cette histoire. Hein. C'est terrible, le métro là. On a tout, on arrive à la porte finale. Et ça y est, la porte est bloquée. Et après le tram, enfin on est sur le rail et le métro nous renverse. C'est dans ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a omis de faire? En plus, on a rien à faire. Ah, on n'a jamais été là. Nous ne sommes jamais allés ici. Alors c'est peut-être par où on vient aussi. C'est l'exit ça. On peut lire le russe, mais... Peut-être que c'est ça. Oui, je n'ai plus rien à faire ici, je préfère rentrer à toute vitesse. Bah oui, mais justement, si tu veux rentrer à toute vitesse, prends surtout pas le métro. Une façon de réfléchir les heures qui me laissent dubitatif.
C'est justement pas ce qu'il faut faire, de prendre le métro. Regardez. Look. We did everything. On a tout fait. On a tout fait là. On a été partout. Il y a des petites flèches partout. On a crayonné partout. Ah. On n'a jamais pris le petit escalier 1 là. En train de me rendre compte. Et pour cause, il est bloqué. Il est bloqué. Ah non, il n'est pas bloqué de l'autre côté. Non, nous sommes déjà allés ici. Et là, on a été partout. On a tout fait. Bon, il y a qu'une chose qu'on n'a pas faite. Si on n'est pas trop idiot. Si on n'est pas trop idiot. Dit-il, après avoir perdu 2 heures pour casser une noix, c'est que là, sur la rame 1, effectivement, il semblerait que nous ne soyons jamais allés sur le ça, là, ici. Et que ça qu'on n'a pas fait. Alors, il y a une raison à cela, si on regarde les escaliers, c'est que l'escalier pour y descendre, là, il est bloqué. Ok. Et après, c'est l'escalier pour y monter. Il est bloqué. Donc, en fait, on ne peut pas y aller. Il est bloqué. Et là, il est bloqué. Hein, je suis pas idiot non plus, quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Hein. Faut être sérieux. Hein. Donc là, je me trouve dans un moment du jeu que je n'aime pas. C'est le moment où on ne sait pas. Voilà. Alors peut-être qu'il fallait utiliser quand j'étais... mais non, en plus... Je regarde mes objets. Alors peut-être qu'il y a un truc tout con qu'on n'a pas fait dès le départ. Voilà, c'est souvent ça. Hein. Vous me connaissez maintenant. Y a un ticket, faut prendre un ticket. N'a pas pris le bon ticket. On n'a pas pris le ticket. Pour prendre le métro, je sais pas. C'est ça, elle prend le métro, c'est bien pour quelque chose. Elle veut prendre vraiment le métro. J'essaie de réfléchir. Mais on peut pas y rentrer dans ce petit... dans ce métro. Ah, il y a une porte là que j'ai pas faite. Juste derrière moi. Oh, Dieu fait que ça soit quelque chose d'intéressant. Le verrou est cassé. C'était notre seul espoir. On avait tout bien. Je vois pas. On va encore... Oh putain, mais j'avais laissé le bouton, il faut me le dire là sur le chat. Chun, tell me when I forget to delete this button, please. Non, je demandais à Sean de me rendre service. Je ne vois pas. Là, nous avons a priori tout fait. Je check bien que mes petits yeux merdiques de furet. Je suis en mode furet, là. Non, regardez, une fois qu'on est là, évidemment, on peut débloquer la situation. On a ouvert la porte. Et normalement, moi, je pensais que notre liberté était acquise une fois qu'on arrivait là. Mais que dalle. Pas du tout. Donc moi, j'imagine que les développeurs ont fait en sorte qu'elles prennent le métro. Hein. Voilà, c'est ça. On doit prendre le métro. Alors sur quelle rame il faudrait aller? Ça m'agace, ça m'agace. Là, on peut accéder à quelle rame là? La rame 1 et la rame 2. Oui, parce qu'on peut lire aussi un petit peu. Hein. Là, c'est la rame 3 et la rame 4. Nous, ce qu'on aimerait faire, hein, dans l'idée, dans l'idéal. En fait, on pourrait traverser vite fait là.
toute façon, on a que ça à foutre, hein, de toute façon, maintenant. Maintenant, on va faire que perdre notre temps, hein. Je vous l'annonce. Là, je vous spoil. On va faire que perdre notre temps, maintenant. Ah, et on est sur la bonne voie, là. Parce que ce monstre-là, il y était pas au début, hein. Mais oh là là, toi là, le gros pépère! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es dégueulasse! Il est dégueulasse! On peut pas, hein. C'est là où on est fusé à pompe, d'accord? Non, je veux pas ressortir. Allez! Il est dégueulasse! T'es dégueulasse, toi, mon gros! You saw Sean, how he's ugly? Je demande à Sean son avis et s'il a vu à quel point il était monstrueux. En gros, je lui demande qu'on se moque de lui ensemble. Je fais F5. Hein. J'ai envie de remonter. Je trouve ça curieux qu'il nous ait mis un ennemi tout à l'heure. On n'est jamais monté. Il faudrait qu'on accède à là-bas. Enfin, je dis ça, ça sert à rien. Mais bon, je suis paumé, alors. Toutes les hypothèses sont bonnes. Non, on a ouvert la clé. Non, c'est par là, évidemment. Putain, ça c'est énervant aussi. C'est agaçant. Non, on est bloqué. À un moment donné, faut dire. Regardez la vérité en face. On a tout bien fait, tout était super fluide. Et le jeu, bah, comme d'habitude, bah, a décidé de faire autrement, de nous bloquer. On a fait une bonne part. On avait fait une première heure un peu laborieuse. Bon, lui on l'a tué. Allez hop, on dodge. Non mais c'est là, en plus on peut débloquer. Les verrous cassés, je n'aurais pas ouvert la porte. Et j'en viens, coquin. Ah non, c'est de l'autre côté. Faut qu'on aille sur la 3. J'ai rien dit. Salut Bambina. T'es drôlement couche tard, je trouve. Je te trouve drôlement couche tard. Tu vois Bambina, là, on est bloqué là. Regardez, on a une petite porte là. Alors peut-être que je suis complètement idiot, il y a un truc tout simple à faire. Mon Dieu. À cause de toi. I love so much the theme of Laura. There are a lot of songs of Silent Hill songs I like. Le thème de Laura est très très bien. Je lui dis qu'il y a plein de musique de Silent Hill que j'aime bien. Et le thème de Laura est très bon. Non, mais il y a forcément quelque chose à faire. C'est ici, regardez, c'est flagrant quoi. Il y a une lumière rouge. À cause de toi, mais. Toujours très vindicative, Bambina. Je l'imagine avec un gros chat roux. Vous savez, comme dans l'inspecteur Gadget. Elle regarde mon stream et puis elle caresse son chat, puis c'est un mélange d'amour et de haine. Non, je sais pas ce qu'il faut faire.
Je ne sais pas ce qui... Je ne sais point ce qu'il faut faire là. On a tout fait, je comprends pas. J'en ai marre de checker la map. Je vais même pour vous. Je vais même. Je vais pas vous mentir d'ailleurs. Ça me gonfle. Je vais pas vous mentir, ça me gonfle. Ça me gonfle. On a tout fait là, on a fait toute la carte. Déjà que c'était pas très intéressant en plus. Et là maintenant on est bloqué. You know, Sean, it was not very interesting and now you are stuck. We are stuck in the subway. On est coincé dans le métro et c'était même pas très intéressant. C'est facile hein, de faire ça quand on est développeur, de faire un truc labyrinthique. Vous faites un truc, vous mettez des portes fermées, vous en ouvrez d'autres. Bon, c'est chiant. En plus, tout se ressemble, donc c'est même pas terrible cette séquence. Et puis au final, quand on s'est tapé tous les étages et qu'on a été quand même... On a été de bonne volonté, hein. Bonne volonté. Il nous dit qu'on se fait écraser par le métro? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors peut-être que c'est criant là sur la carte. Peut-être que c'est criant qu'il y a un endroit où je suis pas allé. Peut-être que je fatigue aussi. Là, ça fait 2 heures que je stream, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, puis on fera ça. Ce qui m'intrigue quand même, c'est cette rame 4 où, qui est bloquée de chaque côté, quand même. Non, mais on a été partout. Il faut pas que je m'en veuille. Voilà. Il faut que j'arrête de battre ma coupe. Faut pas que je m'en veuille. On a fait au mieux. On a fait au mieux. On a fait au mieux pour ce soir. On a streamé pendant 2 heures. Bah oui, tu viens d'arriver. Bah oui, mais... qu'est-ce que tu veux que je te dise, Bambine? Tu viens d'arriver, mais nous, ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures et on ne trouve pas la solution. Et je fatigue. Voilà. Je suis vieux, tu sais, à 41 ans. Donc je vous remercie tous. Je vous embrasse, Léa, Bambina. Hi Sean, hi William, enfin, goodbye, see you soon, Sean and, salut Horror Guy, hi Horror Guy, see you soon, on dit pas hi hein, pour dire au revoir, on dit bye bye, voilà, je vous laisse sur mon excellent générique de fin, et je vous dis à demain, 9h, ouais, allez à demain, thanks to you, all of you. Ouais, je sais pas bien parler anglais. Allez, à bientôt. À demain. Who we are.
these things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. My own foolishness. And that's what makes us who
one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission.